le gouvernement français estime que mes activités sont dangereuses pour ses intérêts, c'est ce qui est dit explicitement dans le document, et que par conséquent, comme j'ai aussi la nationalité béninoise, il souhaite engager la procédure de déchéance de la nationalité. Non, on va être très clair. Il pose des conditions, on dispose d'un délai d'un mois pour faire des observations. Moi, je veux dire les choses très clairement, personne ne va mentir en nationalité. Personne. Et pour nous, c'est une grande médaille, je le dis très clairement, que le gouvernement français soit dans une démarche de nous attaquer de cette façon, parce qu'il atteste que le combat que nous menons gêne ses intérêts de un, d'accord, et il atteste que les Africains, contrairement à tous les autres, dès lors qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils veulent obtenir leur souveraineté, deviennent des menaces pour les intérêts du gouvernement, pas du peuple, mais du gouvernement français. On ne m'en dira pas. On fera nos observations, très clairement, d'accord. Et c'est un symbole pour tous les Africains et toutes les populations noires sur les territoires français ou les populations néo-africaines sur le continent ou dans les territoires, entre guillemets, dits d'outre-mer, qu'ils se rappellent que jamais la France ne traitera à égalité les nôtres. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin. Ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire. Dans les trois quarts des pays où on voyage, c'est le passeport béninois que j'utilise, c'est que quand je vais dans les territoires d'outre-mer ou quand je vais en France faire des conférences ou en Europe, qu'en effet, j'utilise le passeport français. Ils nous retirent cela. On reviendra de toute façon, quand on sera à la phase institutionnelle, on reviendra voir les nôtres. Et de toute façon, avec Internet aujourd'hui, on communique avec des gens qui sont des millions de kilomètres sans avoir même besoin de se déplacer. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une diabolisation qui, en réalité, nous sert beaucoup plus que le contraire. Objectivement, ils ne sont pas très futés du côté de l'Église. Donc un nouveau combat qui s'engage, mais qui est pour vous plus une distinction de votre travail. C'est un ballon d'or dans le cadre de la géopolitique. C'est une échéance. Voilà, bon, je m'arrête là. De fermer ça, voilà, voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er mars 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur des questions essentielles. Djoubion, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Vous avez reconnu là, très rapidement, le frère Kémi Séba, le frère. Bon. Alors, on a eu à converser, lui et moi, ça remonte maintenant au téléphone il y a 6 mois, à peu près, ou 8 mois, je ne sais plus, mais en tout cas, on a échangé, et puis on n'a pas été d'accord sur certains points, notamment le fait qu'il ait choisi Juan Branco comme son avocat, alors que j'ai expliqué que non, Juan Branco fait partie du système, enfin bon, bref. Puis ça, entre autres, mais j'allais dire qu'on se connaît bien, bon. Là, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur lui, là je reviens parce que c'est une question essentielle, très très importante. Ah oui, on est à un tournant extraordinaire. On a un tournant historique, figurez-vous. Je vais aborder 3 points. Kémi, le fait que, en fait, l'État français veut lui enlever la nationalité française. D'une part. D'autre part, je vais parler du cas du Faye Emers, le jeune frère qui est admis maintenant comme sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi ça m'intéresse, ces sujets-là? Parce que je dis, c'est extraordinaire, voilà. C'est des cas singuliers. Donc, c'est hyper important d'en parler pour faire réfléchir chacun de nous. Rapidement pour le cas de Faye, après je vais finir avec Kémi. Donc, on a appris que donc Faye Emers est confirmé comme étant l'entraîneur de Côte d'Ivoire pour les campagnes. La prochaine Coupe d'Afrique aura lieu au Maroc l'année prochaine, en juillet 2025. Et puis, également, pour conduire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour les prochaines Coupes du Monde, je crois qu'il aura lieu aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Bon. Mais au fond, c'est quoi? C'est que la discussion qui m'intéresse, moi, c'est les indemnités, les rémunérations, les primes qui vont être accordées à Emers Faye. C'est très important. Pourquoi? Parce que on observe que depuis toujours, pour ne pas dire depuis des décennies, la plupart des équipes africaines ont décidé, ou des pays africains ont décidé de faire confiance aux entraîneurs le coderne, aux entraîneurs qui viennent de l'Occident. Hein, vous avez des Anglais, des Français... principalement des Français, en tout cas. Vous avez aussi Italiens, enfin, tous les pays européens, là, ce sont eux qui viennent pour encadrer les équipes nationales, pour la plupart en Afrique. Et j'ai dit, mais aujourd'hui, au 21e siècle, à l'époque où nous vivons, il y a, comment dire ça, un nombre incalculable, enfin, incalculable, si on peut les calculer, mais je veux dire un nombre important, voilà, de joueurs professionnels qui sont à la retraite et qui pourraient s'occuper des équipes de chaque pays. Là, c'est le cas de Emers Faye, puisqu'elle a évolué auparavant en tant que joueur d'abord à l'FC Nantes, et puis ensuite, elle a terminé sa carrière malheureusement parce qu'elle a été blessée au GC Nice. Bon. Mais là, aujourd'hui,
à 40 ans, voilà, il a la charge et puis un palmarès extraordinaire. Bon, il a remporté la Coupe d'Afrique, c'est ce qui a conforté sa position. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire, je ne trouve pas d'autres mots. Hein. Et je dirais, des fois même, c'est des choses qui nous dépassent, très clairement, de mon point de vue. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je tiens absolument, et ceux qui pensent comme moi, à ce que Emer Sefaye puisse toucher au minima, le même salaire qu'on pouvait attribuer à Gassé, qui vient de partir, s'il avait gagné la Coupe d'Afrique. Premier point. Au même salaire qu'on pouvait accorder aussi à Hervé Renard, s'il avait accepté, ou si la Fédération française avait accepté de le libérer. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est de dire que tous les entraîneurs africains qui s'occupent des équipes respectives, équipe nationale de chaque pays, eh bien, il faut qu'ils aient le même salaire au minimum, si ce n'est pas plus. Pourquoi plus? Parce que là, en l'occurrence, il a gagné la Coupe d'Afrique et ce n'est pas rien. Or, souvent, ce qu'on constate, c'est que ces gens-là sont recrutés, ils sont payés avec des fortunes. Or, c'est de l'argent public, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui appartient aux Ivoiriens, c'est de l'argent qui appartient aux Togolais, aux Ghanéens, aux, que dis-je encore, tous les pays africains. Voilà, l'argent public leur appartient, les citoyens de ces pays-là, respectivement. Vous voyez, donc c'est ainsi que je dis, c'est facile pour les dirigeants de prendre l'argent public pour le dilapider, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que si, en prenant ces gens-là, les résultats sont certains, c'est-à-dire ils obtiennent, ils gagnent la coupe, là, ça se comprend, voilà. Ça peut se comprendre. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent, ils ne vont même pas loin, vous voyez. Donc, un, ils sont beaucoup payés, ils sont chèrement payés, et puis deux, ils ne vont pas loin. Donc, le résultat n'est pas là. Vous voyez. Donc, quand vous êtes dans un business, eh ben, c'est investissement, et puis retour sur investissement. Et là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, vous voyez. Donc, moi, le combat, et ceux qui, qui pensent comme moi, c'est d'insister sur le fait que MS Faye soit payé au même tarif que les entraîneurs occidentaux. Absolument, absolument. Et puis, ça concerne toute l'Afrique. Hein. Parce que j'ai regardé là, l'interview de, Monsieur France 24 de Samuel Eto'o. Voilà, Samuel Eto'o, fils, qui s'est exprimé parce que, évidemment, le Cameroun a été éliminé. Ils n'ont pas donc fait une brillante Coupe d'Afrique. Et là, il faut tirer des leçons. Donc, lui, alors ceux qui s'y connaissent disent qu'il a fait semblant de donner sa démission. Bon, toujours est-il qu'il a été reconduit en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Mais par contre, le cas qui a tranché, et ça a déjà été fait, c'est celui de Rigobert Song, qui était le sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Mais là, quand j'ai écouté, Samuel Eto'o, c'est qu'il disait qu'en fait, pour le choix du prochain entraîneur qui va remplacer Rigobert Song, il se pourrait que ce soit encore un occidental, voilà, un locoderme, un européen. Il se pourrait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Alors, on tourne en rond. Puis après, une autre chose qui m'a choqué, c'est qu'il a dit qu'en fait, la fédération camerounaise choisit trois personnes, par exemple, et puis c'est validé par le président Paul Biya, ou la présidente de la République au Cameroun. Ah, mais la République bananière, là, on y est, là, hein, à fond. Bon, on me dirait qu'il n'y a pas que le Cameroun, mais c'est... Donc voilà, tous les pays qui sont dans cette démarche-là. On est au 21e siècle, à un moment donné, je comprends pas ces gens-là. Hein. Je vous dis, ils prennent leurs valises, ils viennent ici, en Occident, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, que dis-je encore, hein, un peu partout, au Canada. Et puis, tu te dis, bon, mais on peut évoluer pour prendre les choses qui sont bonnes. Parce que partout, que ce soit en Afrique, en Asie, en Inde ou en Europe, il y a des choses qui sont... Donc, tout ce qui est bien, on peut prendre, on peut s'approprier. C'est intéressant pour l'humanité. Oh là, non. Voilà. Ils font comme si les voyages qu'ils font, mais ça se cantonne simplement à faire des shopping et puis des idiotiques, quoi. Voilà. C'est fatigant. Ouais. Et puis, je vous dis, si c'est de l'argent public, c'est là où moi, ça me dérange. Parce que si c'est de l'argent, ton propre argent privé, il n'y a rien à dire. Tu fais ce que tu veux. Même si tu veux, prends ça, même où tu veux, voilà. Mais quand c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tout le monde, on n'a pas le droit, c'est criminel, que de l'utiliser comme bon sang, alors que les gens souffrent. Hein, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à s'éduquer. Voilà, le débat porte là-dessus. Les gens n'ont pas à se loger, par exemple. Parler de dégapissement en Côte d'Ivoire, là, n'importe quoi. Je reviendrai là-dessus. Bon, un autre jour, on va dire. Ah, c'est incroyable. Bon, donc là, je termine là sur le propos pour dire que tous les entraîneurs des pays africains doivent être des locaux. Bien entendu. Non, mais attendez. Franchement, hein, il y a plein de joueurs qui ont évolué ici, hein, dans des grands championnats, hein, en France, en Angleterre, en Espagne, en Grande-Bretagne, hein, en Italie, aux Pays-Bas, partout, au Portugal. Et ils sont à la retraite, mais il faut les prendre, il faut leur faire confiance, il faut leur donner leur chance. Et comme ils sont plusieurs, donc s'il y en a un qui ne marche pas, on met l'autre. Vous voyez, mais bon, ils sont à côté de la plaque, ils sont à côté de la plaque. Enfin bon. Donc là, voilà, j'ai donné mon point de vue là sur la question portant sur ce que va toucher comme salaire Emer Sefaye, le jeune frère,
hein, qui est maintenant le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, toutes mes félicitations, tous mes encouragements, naturellement. Je suis très, très content, vous ne pouvez pas imaginer pour lui. Bon, alors, maintenant, pour revenir au frère Kémi. Ben, écoutez, là, c'est beaucoup plus important que tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, compte tenu des relations historiques entre la France et les pays africains en général, et les pays francophones en particulier, il se trouve que beaucoup d'Africains ont la double nationalité. Hein? Beaucoup. Bon. Un certain nombre, on va dire, si vous voulez. Hein? Un certain nombre ont la double nationalité. Même moi-même qui vous parle, j'ai la double nationalité. C'est-à-dire que franco-ivoirienne, ou ivoiro-français, si vous voulez. Donc la question de la déchéance de la nationalité du frère Kémi Séba, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi? Mais parce que au fond, moi j'adore, là je convoque tous les prétendus intellectuels, les diplômés africains dont je dis qu'ils font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Bouillard, Dieu seul sait si on est bon. Bon, c'est dire quoi? C'est dire, attendez, je dis toujours que tous les dirigeants africains là, s'ils sont au service de la France-Afrique, mais ils sont pas suffisants. La France estime qu'ils sont pas suffisants. Alors que moi j'estime qu'ils sont suffisants. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans des obédiences comme la franc-maçonnerie, entre autres, hein, et qui font que, au lieu de servir l'Afrique, ils servent ces obédiences-là, ils servent les pays occidentaux. Mais attendez, quand ils servent, c'est même pas leur propre argent, c'est toujours pareil. On en revient à l'argent du citoyen, l'argent du peuple, c'est ça. Et du coup, quand ils prennent ces décisions-là, mais ça ne concerne pas que Kémi Séba. D'ailleurs, pour lui, il a apporté la réponse qu'il fallait. Hein. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas surpris, parce que pour sa génération, j'ai toujours dit, hein, il est beaucoup plus jeune que moi, il est très brillant, voilà, c'est clair, c'est clair. Bon, on aura l'occasion, un jour, de s'expliquer, parce que, voilà, je pense qu'il y a des entourages, là, qui font tout et tout. Si vous voulez, notre problème, je vais vous dire, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Maintenant, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on a gagné, là? Moi, je veux bien, mais moi, je dis toujours, on fait le bilan, on a gagné quoi? Non, on est les derniers, justement, à cette façon de se comporter, là, cette façon de voir les choses, cet état d'esprit, là, hein, d'aliénation, de complexe, de corruption, de jalousie et de sorcellerie. C'est tout! On est les derniers. Vous voulez aller où avec ça? N'importe quoi. Et, circonstance aggravante, c'est le fait que, si tu es encore resté au pays, au village, bon, circonstance, hein, je dis, circonstance atteignante. Mais si, par contre, tu prends l'avion, et que tu vas aux États-Unis, et que tu viens en France, tu vas en Espagne, tu vas au Portugal, tu vas au Japon, tu vas en Canada, tout ça, et puis tu ne retiens rien, mais je dis, mais, quel gâchis! Et puis bon, idiot utile du système. Allez, à côté. Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que, quand je dis je convoque les prétendus intellectuels et puis les diplômés africains, c'est de dire, mais la réflexion, elle doit se dire, mais c'est quoi? Obtenir, avoir la nationalité française, ça veut dire qu'en fait, on est emmené à régner l'Afrique. On est emmené à être complice du pillage des richesses de l'Afrique. Des richesses à tous les niveaux. Richesses intellectuelles, richesses matérielles, hein? C'est ce que ça veut dire? Non! Très clairement. Et donc, je dis que on n'avait pas le recul suffisant il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans. Mais aujourd'hui, l'heure est venue à ce que chacun se détermine, très clairement. Mais qui n'est pas du tout pour Kémi, parce qu'en réalité, compte tenu de, comment on appelle ça, ses connaissances, hein, eh ben, il pourrait même facilement bénéficier des passeports diplomatiques. Voilà. Et puis, à la rigueur, eux, dans leur démarche, c'est quoi? C'est dire, dans un premier temps, on va t'enlever la nationalité française, et puis dans un second temps, tu vas t'interdire du territoire français. Ils ont l'habitude. Mais je dis, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et que par conséquent, ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, ils font exprès. Ils sont complices. Ah oui, c'est pas possible de dire que je n'ai pas compris. Parce que je dis, quand vous êtes assis chez vous, le même sujet, vous pouvez le passer 10 fois, 15 fois, et à un moment, vous allez le comprendre. Alors, mais par contre, il faut faire cet effort-là. Et si vous ne le faites pas, il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Et puis je dis, je n'ai pas le temps à perdre. Une parenthèse rapide. J'ai compris comment il faut traiter maintenant les trolls. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il y a un troll là qui m'a donné l'idée, parce que je n'y pensais pas. Il me dit, oui, fais attention à toi parce que t'as vu la dernière fois YouTube a fermé ton compte. Ah, j'ai dit, mais il m'a donné l'idée là. L'idée c'est quoi? C'est de dire qu'au fond, mais quand on a fermé mon compte, mais ces gens-là, ils ne se sont pas plaints, ou du moins, rien ne leur manquait. Et donc, à partir du moment où ça ne les manque pas, qu'on coupe mon compte, mais j'ai dit, mais j'ai le loisir, ah oui, un grand loisir, mais de les supprimer définitivement de mes trucs qui ne viennent pas polluer. Je supprime tout de suite. Ah oui, donc pour moi, les choses sont claires. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dis, concours d'honnêteté intellectuelle, toujours. En fait, je dis quoi? Je dis, mais attendez, dans le fond, ceux qui, quand on coupe mon compte et puis qui sont préoccupés, que ça intéresse, là, eux, je peux faire des efforts. Mais ceux qui, quand je suis là en train de vous parler et puis ils font semblant, et quand demain on coupe mon compte, ça n'a rien à foutre, mais je dis, mais quel est mon problème de m'emmerder avec eux? Ah non, je vous dis, oh, je ne rigole pas. Concours d'honnêteté intellectuelle, je dis, je l'ai banni maintenant, je n'ai même plus de temps à perdre. Mais je vous dis, parmi eux, il y en a un qui n'était même pas forcément trop obstiné à moi dans ses commentaires, mais même ça, comme je l'ai détecté un truc trop, allez, banni, terminé. Je suis radical, hein, avec moi, c'est, je dis, Malcolm X. Voilà, un pour un, un pour un. Mais oui, non, mais attendez,
De quoi on parle? À un moment donné, il faudrait qu'on avance parce qu'on a suffisamment de recul. C'est clair. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'attendez, tous les frères et sœurs qui bénéficient de la double nationalité, mais il faut être tranquille, il faut être serein. C'est-à-dire, mais attendez, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que aussi bien la France gagne que les pays africains gagnent. Or là, depuis toujours, c'est la France qui est uniquement gagnante. Et encore, il faut vérifier, c'est l'élite française, c'est l'oligarchie française. Parce qu'ici, on voit le nombre de SDF, on voit le nombre de personnes qui travaillent, qui ont un contrat de travail, qui dorment dans leur voiture, ou même qui dorment dans la rue. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à quelque chose? Franchement, quand je vous dis, je suis spécialiste de la France, mais de manière accessoire, je vous dis, il y en a plein là qui sont des prétendus diplômés, mais ils ne peuvent pas tenir le débat avec moi, parce qu'ils ne vont pas aller à l'essentiel. Voilà la différence. Parce que moi, je suis animé par la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est ma religion, vous comprenez? Quand d'autres, leur religion, c'est le mensonge. Moi, ma religion, c'est la vérité. Et comme je vous dis, il y a un frère qui tient la boutique là-bas, comment dire ça, la boutique africaine dans le 10e arrondissement, qui m'a dit, mais non, mais tu es dans l'esprit de la Mahat. Ben oui, puisque la Mahat, c'est l'esprit, c'est la solidarité, la vérité, la justice. Voilà. Donc, je suis en plein dedans, sans avoir lu ça dans un bouquin. C'est mon inspiration personnelle. Quand je vous dis que je vis ça, mais Dieu se le sait, bien entendu. Vous voyez, donc je dis que le moment est venu que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'au fond, on ne peut pas cautionner que l'Africain soit le dernier de la classe quand on sait que c'est normalement lui qui est le premier. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien entendu. Et comme l'élite française, l'oligarchie française, ils sont en perte de vitesse. Ils sont complètement en décalage. Ils sont dans l'anachronisme total. Parce que eux, le système qu'ils sont en train de pratiquer, c'est un système qui date du 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. Ils n'entendent pas changer. Mais par la force des choses, mais ils vont être obligés de changer parce qu'en fait, ce sont leurs citoyens eux-mêmes qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Parce qu'on est à l'heure d'Internet. Donc eux aussi, ils peuvent regarder et puis faire l'effort. Parce qu'il s'agit d'effort, hein. Parce que c'est pas évident. C'est vrai quelque chose qui a toujours existé. C'est pas évident de le renverser. Mais en fait, quand on se prétend être un être humain, c'est ça. Il faut avoir la capacité de réflexion. Voilà. Mais bien entendu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kémy? Ben, il a que du verbe. Oh là non, il y a des gens qui sont des trafiquants de drogue, qui sont des trafiquants d'organes, qui sont qui sont dans des actions qui sont interdites par tout ce qui est moralement acceptable. Ils sont dans cette situation. C'est contraire à tout ce qui est acceptable au niveau moral. Eh bien, eux, ils sont tranquilles, ils ont pion sur rue. Alors que là, un jeune frère là, qui se bat pour l'humanité, au fond, nous autres, qui militons pour qu'on respecte l'Afrique, c'est en fait le respect de l'humanité, parce que tout est parti d'Afrique. Si ces gens-là sont dans une espèce de schizophrénie et puis de contradiction permanente. Pourquoi? Parce que dans des débats suivants, enfin, quelquefois, ils vont dire, oui, l'origine de c'est l'Afrique, de l'humanité. Et puis, il y en a d'autres fois, ils vont contredire. Non, il faudrait savoir ce qu'on veut. Quand on est honnête, on reste dans une ligne directrice, la même, ouais, on reste là-dessus. On ne fait pas du zigzag, là. Les petits malins, ils sont tellement légers parce qu'ils ont fini par les choper. Allez, je reviens à concentration. Donc, au fond, c'est dire, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir en parler, pouvoir en discuter et débattre. Ah ben oui. Non mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ils veulent que ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'éternellement, je vous dis que quand ils sont de bonne humeur, ils nous prennent pour de grands enfants. D'ailleurs, il y a une idée qui m'est venue là. J'ai dit que eux, ils considèrent les Africains, hein, l'élite, l'oligarchie française comme des grands enfants. Et ben moi, personnellement, ça m'est venu la semaine dernière l'idée. J'ai dit, mais eux, en fait, ce ne sont pas des grands enfants, mais moi, je les considère comme des vieux enfants. Cherchez la nuance. Bouya, 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 on est trop bon. Enfin bon. Toujours, ça cogite, il y a du sport là-dedans. Voilà. Eux, ils estiment que les Africains sont, comment dire ça, des grands enfants. Et moi, je dis que moi, maintenant, au 21e siècle, comme j'ai beaucoup réfléchi sur ces trucs-là, ça m'est venu la semaine dernière, je dis, mais eux, s'ils nous disent ça, mais moi, je dis que eux, ils sont des vieux enfants. Donc, cherchez, hein, cherchez. La nuance, voilà. Ah ben oui, pertinence, voilà, la réflexion, toujours. Mais oui, non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez observer que les autres pays n'ont pas cette approche-là. Parce qu'au fond... Ce à quoi ça me fait penser, c'est le fait qu'ils aient interdit Madame Niamb de rentrer sur le territoire français. Bon, c'est vrai qu'elle, elle n'a pas la nationalité française. C'est pour ça que j'ai dit que Kémy, ce qu'il attend, c'est que là, quand il commence à enlever la nationalité, après, c'est pour interdire du territoire français, c'est tout ce qu'il attend. Mais en réalité, lui, franchement, je sais même qu'il a dit, hein, il dit, c'est comme si on lui donnait un ballon d'or. Voilà. Alors, sur le plan géostratégie, parce que c'est son métier, c'est, comment dire, son occupation. Vous comprenez? C'est comme si on le décorait vraiment le plus gros haut grade aujourd'hui au 21e siècle de lui enlever la nationalité française. Alors qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, par exemple, j'ai fait la demande et puis on me l'a accordé. Alors que lui, il est né ici, il est né à Strasbourg. Donc voilà, et c'est les lois françaises eux-mêmes qui ont, comment dire ça, marqué ça. Né sur le territoire, donc, alors les choses ont évolué. Parce que maintenant, là, les jeunes générations, on leur dit, il faut que tu te manifestes. Alors qu'à l'époque, non, la loi dit, c'est ce qu'ils appellent le droit du sol. Voilà, tu es né ici, donc tu deviens français automatiquement à ta naissance. Bon.
Mais un pays comme la France, comme je rappelle toujours, je dis, mais c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Parce que quand on regarde son histoire, mais je vous dis, c'est un des rares pays au monde à avoir planté son drapeau. Vous prenez la carte du monde, voilà. Hein? Vous prenez la carte du monde et vous allez regarder, planter les drapeaux de la France. Vous allez voir, partout, il n'y a pas un endroit où la France n'a pas planté son drapeau. Donc là, je dis ça, c'est pour dire que normalement, mais c'était le pays qui devait être en avant-garde pour l'accueil, pour l'hospitalité, et qu'on ne devrait pas avoir les histoires d'hostilité et de tout ton joie là, comme ça, râler pas crête, hein, je t'enlève ta nationalité. Tout ça pourquoi? Mais parce que justement, que j'ai pas fini tout à l'heure, quand j'ai dit que ils nous veulent quand ils sont de bonne humeur, comme des grands enfants, et quand ils sont pas de bonne humeur, simplement comme des esclaves jusqu'à l'éternité, voilà. Et ils sont là-dessus. Mais là, c'est terminé. Game is over. Terminé. Ah, mais définitivement terminé. Et je vais finir mon propos maintenant sur la CEDEAO. Par rapport à Kémi et Daouda, avant d'arriver à la CEDEAO. Kémi, donc, ceux qui, souvent, voilà, lui reprochaient ça. Ils disaient, oui, vous avez la nationalité française, donc c'est à partir de là, vous ne pouvez pas critiquer la France. Moi, ce qui me conseille, je leur dis, j'ai écouté. Vous en êtes rendu là? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez même pas le niveau d'un enfant de maternelle. Ah oui. Non, parce que, c'est quoi? La nationalité française, ça veut dire qu'en fait, il faut que je continue à être, comment dire ça, complice du pillage de l'Afrique. Mais les Alassane Ouattara, ils ont un certain niveau de vie. On peut, je dis bien on peut, hein, attention, moi je les comprends, mais je dis on peut. Patrice Talon, Paul Biya, comment il a, Macky Sall, Sassou Nguesso, voilà. Donc, ces gens-là, en tant qu'être humain, hein, leur niveau de vie, leur niveau de vie est très élevé, même si c'est vrai que je dis toujours que si on compare avec ce que touchent les multinationales, bon, ils ont pas grand-chose, mais comparativement justement aux citoyens ordinaires, voilà, ils ont beaucoup. Donc eux, s'ils ont la nationalité française et qu'ils jouent le rôle de la servitude volontaire, voilà. Mais nous autres, et puis même c'est une question de dignité, parce que je dis, écoutez, ces gens sont indignes parce que nos grands hommes, les hommes africains, hein, qui ont été assassinés par la France justement. Justement, c'est ça qui est grave. Parce qu'en fait, quand on enlève la nationalité, c'est à défaut de t'assassiner, hein. Mais très clairement. Non, mais excusez-moi. Parce que je dis, bon, le mec, il s'exprime que par le verbe. Vous faites avancer les choses. Sinon, quand vous dites que vous êtes des êtres humains, vous dites que vous êtes démocrate, vous êtes républicain, vous êtes, qu'est-ce qu'ils disent encore? Les droits de l'homme. En fait, n'importe quoi. Franchement. Ça n'a aucun sens. C'est de l'escroquerie pure. Escroquerie monumentale. Escroquerie morale. Mais monumentale. Bien entendu. Tous les grands leaders africains. Et je pense toujours, je dis, mais imaginez ces gens-là, la France ne les a pas assassinés. Vous imaginez? Mais on serait aujourd'hui devant tous les pays, mais très clairement. Qui est-ce qui peut me démontrer le contraire? Qui? Non! C'est clair. D'ailleurs, quand on les fait assassiner, c'est parce que justement, l'Occident sait très bien. Il faut les éliminer parce que sinon, ils sont numéro un. C'est clair. Et maintenant, pour avancer dans mon propos, c'est dire, mais dites-moi, les Africains que nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait de mal à la France? Qu'est-ce qu'on a fait de mal aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on a fait de mal à l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on a fait de mal au Canada? Qu'est-ce qu'on a fait de mal à l'Espagne? Ainsi de suite, à la Belgique, hein, tout ça. Dites-moi, moi j'attends, hein, à l'Italie. Dites-moi. Au Portugal, j'attends. Hein, aux Pays-Bas, j'attends. Dites-moi, qu'est-ce que l'Africain a fait de mal? En revanche, eux, ils ont fait du mal depuis toujours. Maintenant, la nouvelle génération, on est dans l'esprit même de nos devanciers. Hein, le grand Frantz Fanon. Je rappelle toujours sa phrase parce qu'elle est très forte. Chaque génération doit, dans une relative opacité, vraiment c'est du point, c'est du lourd là. Relative opacité, voilà. Tu découvres ta mission. Soit tu la trahis, soit tu l'accomplis. C'est très intéressant cette phrase parce qu'au fond, les Alassane Ouattara vont dire qu'ils accomplissent leur mission. Donc finalement, bon, chacun voit midi à sa porte, c'est vrai. Mais nous autres, nous sommes là pour défendre l'honneur, pour défendre la dignité africaine. Et donc là, on répond aux aspirations du peuple africain, on répond aux aspirations, hein, de, comment dire ça, la conscience africaine, la conscience noire. On répond aux aspirations du peuple africain, on répond aux aspirations des ancêtres, tout simplement, bien entendu. Vous comprenez? Donc là, hein, je reviendrai là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Je vous dis, aussi bien à un niveau un peu moins important. L'argent qu'on doit accorder aux sélectionneurs des équipes nationales des différents pays, notamment Emers Faye. Et puis là, pour un niveau très élevé, c'est la nationalité dont bénéficient, hein, les Africains là. Hein, soit tu es Camerounais et en même temps Français, ou tu es Ivoirien en même temps Français, et puis ainsi de suite. Alors, je parle du Cameroun, je précise ça pourquoi, volontairement. Parce qu'en fait, les dirigeants camerounais font croire que, eux, chez eux, c'est une seule nationalité. Et je dis, j'espère que beaucoup de Camerounais ont compris ça maintenant en 2024, hein. C'est-à-dire que moi, quand ils disent ça,
C'est de la théorie. Dans la pratique, tous les dirigeants camerounais, ils sont tous à la nationalité française ou la nationalité américaine. En fait, voilà, ils n'ont pas une seule nationalité en faisant croire au peuple que on a droit qu'à une seule nationalité. Voilà. Donc, ils sont profondément malhonnêtes. Or, comme je dis souvent, quand on se veut honnête, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, toi, en tant que dirigeant, tu donnes l'exemple, eh bien, l'autre, il est tenu de respecter. Or, si tu ne donnes pas l'exemple, dégage, va faire autre chose. Fais-toi oublier définitivement. Voilà. Maintenant, je termine avec la CEDEAO. La CEDEAO, là, ils ont échoué, hein, et là, le mot est faible. Parce qu'ils viennent là maintenant de dire qu'ils ont décidé finalement de lever les sanctions, peut-être pas 100%, mais en tout cas une bonne partie des sanctions qu'ils avaient infligées au Mali, au Burkina Faso et surtout, surtout.